toutes et à tous, c'est un 65 et on se retrouve sur le maître du donjon de Nalbeck. Alors, sur l'épisode précédent, donc, on a construit la bibliothèque et l'endroit où les sorciers vont nous faire de l'énergie astrale. Voilà. Pour le moment, on la revend pas, mais je crois qu'on a pas mal cumulé parce qu'on a passé la quête, je crois, hein, si je me rappelle bien, à la fin de l'épisode. Donc, on avait un petit texte à écouter un petit peu après. Et on a, moi ça m'énerve un peu là, les trolls qui bouffent tous mes gardes. Enfin, mes gardes encore ça va, ils les recrutent. En plus on va les recruter niveau 6 maintenant. Avec tous les outils, tous les armements qu'on a. Mais par contre les artisans c'est chiant, si vous les rachète quoi. J'en recrute de nouveau, c'est chiant. C'est chiant les trolls s'il vous plaît. Vous avez pas assez de viande ou quoi? Peut-être qu'il n'y a pas assez de tables, hein. Peut-être qu'ils peuvent pas utiliser des tables. Du coup je vérifie, tiens la cantine. Enfin, allez, alors on continue. Hop, alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le lien du Tipeee dans la description. Un raid bientôt. Voyons voir, peut-être que ça c'est pas utile. Non, c'est inutilisé que par les nains. Vous avez une cantine, hein, les. Non, c'est au niveau 1. Vérifie, vous avez une cantine. Elle est où la cantoche? Elle est là. Ouais, en plus il mange et tout. Je vous ai mis que de la viande, vous pouvez faire. Vous faites pas des desserts, vous. Mange de tout, prend en priorité les gobelins, répugnant, marque son territoire en répondant de sa saleté naturelle. Bon, ça c'est pas bien grave. Il ne mange pas tous mes gobelins. Voilà. Mais qu'il ronfle fort lui. Ah, ça c'est. Ouais. Alors, ce qu'on va faire. On va pas l'agrandir parce que je pense pas que niveau utilité ça va. S'ils me disent qu'ils ronflent fort, peut-être on va les mettre dans une autre salle, on verra. Si ça les gêne un peu trop, on les mettra dans une autre salle. Allez, on est reparti, on va avoir une incursion et on va écouter ce que nous dit Mitrandir. Vous avez un lieu d'accumulation des savoirs arcaniques pour former vos sorciers auxiliaires. Je vais pouvoir facturer ma prestation auprès de la caisse des donjons. Donc la facture ne me revient pas, c'est bon. Maître, sinon, mon inventaire ne sera pas content. Des bons à rien. Ils savent à peine se gratter le nez. Avec leur baguette. Silence, avorton verdâtre. Tu ne comprends rien aux méthodes modernes de gestion arcanique des donjons maléfiques. Va donc te faire fouetter. Non, maître. Parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à se gratter le nez. Bien, maître. Alors, hop, pot. Oui, arrêtez de déclencher les pièges. Il faut que je trouve un moyen de déclencher les pièges. Ah, c'est un mort vivant qui est mort. Je crois que j'ai vu un artisan qui est mort aussi, bouffé. Hop, on va voir ça après. Faudrait que je trouve un moyen de qui ne se stoppe plus ici. Le truc c'est qu'on peut pas faire de mur. Ou alors je vire cette mine déjà. Après tout, le couloir est assez grand, quoi qu'il y en a quand même qui se foutent ici, mais on va virer cette mine quand même. Alors, noté avec intérêt que sur les voyons voir Josiane. De votre consultant, vous aviez installé une structure de stockage pour manuscrits dédiés au savoir cosmique. C'est ça, Josiane, oui. Et alors ? Je vous signale que la CDD impose une taxe non déductible proportionnelle à la moyenne mobile des revenus déclarables du donjon, majorée de 300% en cas d'absence de grimoire magique dans les rayons. Je t'en mets des grimoires magiques, si tu veux. Minute. Je crois me souvenir qu'en tant qu'installation débutante, nous avons droit à un délai d'acquisition calculé sur la base du différentiel des estimations comptables de l'inventaire auxiliaire de l'assiette fiscale. Révax, oui, c'est bien ce que t'as fait. Oui, peut-être. Mais dépêchez-vous, le temps tourne. Acheter le livre de sort dans le marché. Du pognon, marché. Ouais. Oh, elle est bien celle-là, je l'aime bien. Ouais, on l'a acheté. Maître, nous avons acquis un grimoire de sort pour débutants. Nous allons pouvoir esquiver la taxe de la CDD. Pas trop tôt.
qu'on l'amène à la bibliothèque immédiatement. Ouais. Alors, on a récupéré des crânes. Non, c'est pas toi que je veux. C'est toi. On a récupéré le hamster de compagnie. C'est pas fini. Encore pour un petit moment. Et eux, non plus. Triptyque des nains de la mine. Grimoire de foudre, ça doit être bien ça. Espion. Encore des espions, ouais, bon ils bossent mais... Voilà. Armement. APDF. Je suis con parce qu'il y a un petit coffre normalement. Mais ah non, mais si, il y a un petit coffre normalement. Je sais pas. Celui-là. Bannière pour troll. Tiens, c'est... Artisan et banquier. Artisan. Je crois que j'ai cru voir un gobelin. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est bien un gobelin. Artisan nain. Qui sont les nains et le gobelin. 1, 2, 3. 4. Voilà, on va envoyer un artisan nain. Ok. Toi. Engrais, aventure, cycle, la base d'orc. Ok. Orc, gobelin ou troll. On va prendre plutôt des gardes. 78%. On va prendre 100 professions. 80% quand même si on voit tous mes cuisiniers. Attends, avant de faire ça. Il nous en faut un autre pour être à l'abri des taxes. Encore ? Pourquoi ne puis-je pas utiliser un des miens ? C'est impossible, maître. La CDD exige du matériel dédié à l'apprentissage des sbires. C'est pour simplifier la répartition par niveau des trésors du donjon. Fait plus de gamelles. Ça c'est chiant parce que t'as plus de producteurs parce que c'est des... C'est qui fait les gamelles ? C'est des humains. Le problème c'est que les humains dès qu'ils prennent du niveau, ils ont plus de... Ils produisent plus, c'est con. La poule de... Le hamster de compagnie. Caché, indisponible. La cheminée. On a un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et la renoncule, ok. Alors par contre, il faut que je vois mes... non, pas mes recrutements. Mes sbires. Cuisiniers humains. Ah, c'est ça, ils sont niveau 6. Niveau 6, ils produisent des desserts, ce con. Produisent plus... Comment on fait pour les bloquer? On ne peut pas les bloquer à un niveau... Est-ce que j'ai pas vu encore? Ah, le tapis. Tapis médium 4. Ok. Ça bosse, ça bosse. Voyons voir le stock et vente. Ça monte petit à petit. Non, c'est ça. Ah, mais déjà à 100. Hein. Et pourtant, on en vend la moitié. Hein. Donc ça va, on produit bien. Avec que 5 personnes. Autant dire. Eux, ils viennent à la salle d'eau, ouais. Comment on fait pour... il faudrait que mes humains ne montent pas de niveau, en fait. Y'a problème, humain, mais va. Or, tu pourrais leur faire des trucs. Ouais, il est où, Etchibest? Entre le cuisinier. Etch is the best. Ah, il est peut-être dans les VIP. Oui, il est dans les VIP. Répugnant, ovivore unique. Peut être sacrifié ou emprisonné. Je le bargue toujours en colère. Souffrance et malédiction. Je sais pas ce qu'il a. Bon, oh, sa patience ne remonte pas. Est-ce que c'est parce que c'est trop propre? Il faut que ça soit sale. Le truc, c'est que je peux invoquer personne pour le moment. Si c'est ça qu'il demande, il est en colère. Alors, on va peut-être sacrifier quand même des gens. Des gardes. Non, pas des gardes nains, des gardes de niveau 6. Hein. Non, je peux pas, il y a un carnage, je peux pas le sacrifier. Dommage. Donc, placer un livre de sort. Et un lanceur de sort. Alors. Ici, vous pouvez assigner un livre de sort à un lanceur de sort. Ok. Donc, le livre, on a un grimoire de feu, un grimoire de
Glace et un manuel de mort. Pas de dégâts, une chance de tuer toute cible touchée. Lance un projectile rapide a une chance d'appliquer le statut saignement. Et brûlure. On va pas affecter à Mitrandir, hein, c'est pas la peine. J'ai un finuse. Ok. Hop. Sectionner. Ah, mais non, mais ça m'a coincé. Oh là là, c'est chiant. Je vais vous mettre en pause. Et oui, parce que j'ai revenu en arrière. Ah non, c'est bon. Ouf. J'ai eu peur. Ouais, téléportation. Sélectionner un sort de sort. Ouais. Alors, les sbires lanceurs de sort peuvent téléporter n'importe où et n'importe quand en échange d'une quantité d'énergie astrale. Ok. Immédiatement après la téléportation, le lanceur de sort déploie un effet de téléportation s'il a été assigné à un livre. Ok. Mais je m'en fous, je veux pas le téléporter. Hein. Donc, ce que je voulais, c'est mettre mes grimoires. Mon grimoire de glace. Irzul. Et mon manuel de mort. Ah, c'est un nécromancien, mais tiens, à toi. Manuel au nécromancien, livre de prière occultiste, traité au phare magicien. Ok, il faudra qu'on récupère les traités. Ça peut être sympa. Alors, voyons voir, qu'est-ce que t'as ? Précieux conseil, je note que vos auxiliaires cosmiques ont acquis des compétences avancées dans l'utilisation de schémas arcaniques standardisés conservés sur support manuscrit. Ouais, tu veux dire qu'ils ont appris des ils trucs, quoi. Ils ont appris des sorts dans un grimoire, en effet. C'est ça. Mais où étiez-vous ? Vous n'avez rien fait. C'est pas faux. Je surveillais le processus d'apprentissage autonome du client en me plaçant dans une position de retrait afin d'éviter tout biais comportemental d'observation de nature à entraver l'innovation disruptive. Vraiment, Revax, tu ne comprends rien au management. Ouais, tu comprends. D'art, je suis désolé, maître, mais là... Il essaye de nous entourlouper. Enfin, nous, non, parce que nous, on paye pas, mais la CDD, quoi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je vous le dis quand même, maître. Allez, hop. Du coup, dans les trolls, il n'y a rien à faire. Hein. On peut pas leur ajouter de ce truc dans les salles, dans les cantines. Pour les nains, augmente le prestige. Ouais, toujours, oui, je sais qu'il est toujours furieux, mais à peu près il tue personne, mais bon. Est-ce que c'est pour ça qu'il reste furieux ? Quelqu'un, hein, s'il reste furieux à cause de ça, moi j'envoie des gens. Hein. Je téléporte dans son antre. Hein. T'es où toi ? Téléportation, qui c'est que je pourrais téléporter? Un qui soit bas niveau, un qui est rien en plus. Voilà. Les intrus sont dans le donjon, ouais. Alors, on s'occupe pas de ça après, il y a des intrus. Au niveau 5. Ah oui, ils sont de Glarg. Ah, ils sont quand même niveau 15, hein, c'est con. Mais bon. Je pense que ça devrait faire. Et mon mage s'en est sorti, c'est bien. Allez, il faudrait peut-être vous bouger le fion quand même. C'est quand même niveau 15. 5 sbires morts, 2 tués, 8000 pièces. C'était une hurle, ils étaient gros. Moi ça me fera de l'engrais. Je sais pas s'il y avait un humain. Ouais, c'est bon, on le sait que t'es pas content. Il y avait un gobelin. Ouais. J'ai pas de truc pour gobelin, mais j'avais des humains. Oui, on sait que t'es en colère. Après examen de vos structures défensives mobiles à effet de surprise, je constate une absence de stimulation cosmique pour optimiser l'efficience des déclenchements mécaniques. Il veut qu'on enchante les pièges, c'est ça? Vous voulez dire qu'on va enchanter nos pièges? Ouais, je commence à comprendre le parler, le discours d'administratif. Oh,
c'est très simplificateur. Il faut également souligner la possibilité d'avoir recours à des manipulations d'ordre démoniaque pour la diminution des scores intrinsèques adverses. Ouais, tu veux dire ? J'ai mal à la tête. Je comprends, Emile. Moi aussi, j'ai un peu mal à la tête, là. Je crois qu'il a simplement dit qu'on pouvait aussi maudire les pièges avec les prières de nos cultistes. J'approuve l'amélioration des dispositifs de défense. Oh, pas de course ! Ouais, placer une mine. Mais j'ai déjà placé la mine. J'en ai plein des mines. Alors, je sais pas si... Goldberg il est pas content parce que c'est propre, quoi, j'en sais rien. Ouais, t'es pas content, je sais. Je sais pas ce qu'il rend mécontent. Il aime pas sa salle. Elle est super prestigieuse. Tiens, on peut te mettre des crânes. Tu veux des petits crânes ? Tiens, regarde, hop. À l'entrée. Juste pour montrer que, voilà. Oh, vas-y, vas-y. On paye 15K, c'est bon. Non, ce qu'il faut. Artisan, manger, stockage d'armement plein. On recrute tout au niveau 6. Youpi ! Artisan, manger. Voilà. Et... espion, on en a 12. Est-ce que j'en recruterai pas plus de ces espions ? Omnivore. Prends en priorité des légumes, ok. Je garde 8, préfère des desserts. Ok, bon ça c'est pas dérangeant. Les drôles sont omnivores, d'accord. Ils sont omnivores, mais ils préfèrent la viande. Gilles Barbe Jaune. Gilles Barbe Jaune, sérieux. Végétarien parce que c'était... Voilà, ils sont omnivores et ils ont pas de préférence. Omnivore puni, puni ça veut dire quoi? Prends en priorité les gamins, ils mangent de tout, ne se plaint pas. Ah ok, privé de dessert, il est pu... c'est pour ça qu'ils sont punis. Ah mais c'est bon s'ils mangent de tout, les gamins on s'en fout. Il dit que j'ai beaucoup de consommateurs de gamelles, mais au final ils mangent de tout. Ah, bannière pour troll, je prends. Grimoire de food, je prends. Ça c'est pas prêt. Baril de jus de fruits certifié. Domestique cuisinier. Je pourrais pas avoir barbare et vampire en domestique cuisinier. Voilà, on voit ça. On a 230. Là, il y a quoi? Traité de chirurgie homéo-elfique. Ah, bien ça. Artisan banquier. Pareil, barbare et vampire, c'est pas compliqué. On pourra pas les avoir. Voilà. Il y a autre chose, oui, il y a ça. Engrais à base de d'orques. Ouais, donc il me faut des orques. Garde, c'est le mieux. Tous mes 10 sont déjà partis. Oui, ils sont déjà partis. J'ai peut-être des gobelins. Alors, je vais enlever ça. En banquier aussi. J'avais, en plus, c'est vrai que j'avais pas regardé, mais... pas de mortalité, voilà. Je vais regarder, j'ai pensé à regarder. Enfin, on est bien en viande, hein, donc c'est bon, on peut envoyer. Bon, on a pas de on a des consommateurs de gamelles, c'est les gobelins, mais ils mangent de tout. Ils mangent pas que des gamelles. Je suppose, j'espère. J'espère. Niveau 1, est-ce que j'ai mis tout J'ai mis que de la viande. Peut-être mettre dans la cantine, on va peut-être mettre un légume. Ah, faut que je l'agrandisse la cantine. Ouais, on va l'agrandir, la salle des gardes pour la communiquer avec la cantine. Je sais pas. J'enlève ça. Pour le moment, je la mets là. Hein, je vous laisse ici. Et je vous mets des desserts. Peut-être pas des légumes, mais des desserts. Ça, si je le mets là, ça va pas le faire. Bien, je mets là pour le moment. Et
Ouais, je sais, t'es pas content. Dessert. Ouais, je pourrais les supprimer du coup. Je crois qu'ils mangent des desserts. Attends. Carnivore. Ne mange pas de repas à partir du gratuit, mange des desserts. Donc oui, le buffet à dessert est utile. Buffet à viande, bien sûr. Et ici, je vais supprimer ça. Je vais mettre un deuxième buffet à dessert ou... Non, peut-être pas, en fait. Elle est où, la pastille ? Elle est là. Bannière pour troll. Ok. C'est tout ? Tout ce qu'on a eu ? Allez, hop. Placer une mine, ça serait bien. Mais j'ai pas envie pour le moment. Donc allez, hop, raid terminé. Ah, voilà. Parfait. C'est fini. On récupère tous mes orques. Ici, garde, elfe et espion. Torfin, le délabré, pourquoi pas. Ici, c'est quoi ? Baril de bière de qualité la Finwood. Ah, ça je veux bien ça, espion. Les espions. À 102. Ouais, si 102 c'est bon, ça passe. Voilà. On a plus beaucoup. Hein. Et toi, il faudrait combien ? 20 ? Bon, 20 c'est faisable. Garde elf. En plus, ils sont niveau 10. 9%. On t'en met un de plus, hein. Voilà, parfait. Allez, faites-moi tout ça. Un artisan a été bouffé encore. Voilà. Bon, c'est faux. Faut penser à racheter quelques artisans de temps en temps. Alors, engrais à base d'or. Je crois que je les ai mis au deuxième étage. C'est quoi ça? Engrais à base d'humain, ouais. Parce qu'ils stockent des cadavres d'orques, ok. Donc, hop, on enlève celui-là, on va mettre l'engrais à base d'orques. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Les prêtres du temple de Wismal sont rentrés de séminaire. Et alors, Rubax, on les attend s'ils viennent. Et nos troupes, nous étions prêts à en prendre possession. Hmm. Négatif. Nous avons échoué de peu. Nos forces ont manqué de célérité opérationnelle. Ah. En clair, ils ont traîné comme des limaces. Ah mais ça va, c'est pas parce qu'Orlof refuse tes avances que tu dois être méchante avec lui. Il y a pire. Il semble que vu l'évolution de la région, ils aient négocié un genre de franchise religieuse les associant au culte de Nurgle. Ah super. Enfer et trip de Gorgoth, si près du but. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est sympa. J'aime quand il y a le pognon là-dedans. Est-ce qu'on commencerait pas à faire notre petit étage à Zangdar et à... Alors Zangdar, moi je le vois bien ici. Là, on met des alertes ici. Mais après, ouais, le problème, c'est que si je dis pas de bêtises... C'est que ça arrive ici, donc Zangdar, on pourrait le mettre tout là, avec une dépendance ici, mais un énorme bureau pour Zangdar. Et Revax, mais tu te tais, Will Goldberg, sérieux. Revax, on lui mettrait là. Nouvelle décade. 12K, allez, on fait ça. On va commencer par le commencement. Si je te mets là, ça va pas le faire. Donc on va en mettre deux. S'ils veulent venir faire chier Zangdar, ils peuvent venir ici. Ok, allez, je mets ça. Appartement. Les appartements. Faut que j'y déplace. Ouais, faut que j'y déplace. Ok, déplacement, c'est pas top. Mais bon, on va s'en contenter. Alors, Zangdar. Tu vas venir à l'étage 6. Voilà. Revax. Tu vas venir ici. Voilà.
Pour le moment, on n'agrandit pas. Ça va pas tarder, mais on n'agrandit pas. Raid terminé. Traité de chirurgie homéopathique. Baril de jus. Et le triptyque. Parfait. Ici, meuble de Zangdar. Oh, garde espion. Garde. À moi, les gardes. 15% de mentalité. Bon, on va te mettre quelques espions. Ouais, non. Pas quelques espions, ils sont pourris. Plus, je sais même pas si j'ai les 50, c'est bon. Garde, du coup. On va mettre... ça va, 15%, c'est 0%. Voilà. Ici, ici, c'est en train d'être fait. Pillage. Ça me fait penser à pinage. Mais je sais plus que vous avez. Les elfes sont contents, c'est bien. Allez. Hop. Donc alors, les appartements de Zangdar. Commençons par le maître du donjon. Voilà. Oui, je sais que ça supprime la truc, mais t'inquiète. Regarde. Hop. Voilà. Et on met une porte ici. Voilà. Ça va bien, la Zangdar. Sérieux. Je vais lui faire un truc aux petits oignons. Permet à Zangdar de se soulager. Ouais, ouais. Moi, ça, c'est la trine, tout ça. Ok. On va lui faire un petit truc aux petits oignons à lui. Il va en être pantois. Le triptyque des nymphes de la mine, ça serait bien dans à étage 2 chez les nains. Voilà, un petit triptyque, ça leur fait plaisir. Déclencher un piège, oui, parce que bah, c'est des cons. Parce que à l'étage 2, bien sûr, ils... quand ils veulent leur salaire, ils se mettent là, ils sont débiles. Je trouve un moyen de... On peut les enchanter, c'est vrai. Surtout, un moyen de, je sais pas, de bloquer l'accès. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Stockage d'énergie. Le stockage d'énergie est plein. Ah oui, parce qu'on en a pas assez, peut-être. Fais voir. Les stockages. Stock et vente. Ouais, ça, 240. Bon, on est plein, ça, ça quasiment vide. Ça en revend 30%, voilà. Alors, recrutement gratis, donc c'est très bien. Ça, ça monte. On fera la bibliothèque un peu plus tard. Hein. La bibliothèque peut attendre. Ce que je voudrais améliorer, voilà, c'est le bureau de Revax. Table d'intendant, et voilà. Je trouve qu'il y a plus de trucs Revax que Zangdar, c'est fou. Hein. Ah, fichier. Ah non, non, c'est bon. Normalement, ils arrivent pas par là, les... Je pense pas qu'ils arrivent par le Zangdar. Hein. Bon, ça obligera Zangdar à passer par là. Ou alors, je le mets ici, et l'appartement de Zangdar, je le continue, je sais pas. Je pense qu'on va mettre dans les tours, encore. Oui, oui, on a compris, oui. Et toi, c'est pareil, on verra un peu plus tard. Je pense qu'on va peut-être agrandir encore un peu. D'ailleurs, te mettre là. Non. Comme ça, peut-être. Du coup, moins de murs. Voilà. Et du coup, la porte, une ici et une là, voilà. Ils peuvent arriver par ici, ça c'est sûr. Par là, je suis pas sûr du tout. Si c'est le cas, je mettrai une alcôve, on verra. Allez. Et du coup, au zéro, maintenant on a deux places libres. Ça, on pourrait le déplacer. Oh, ça me dit que je peux pas le mettre là. Là, je peux me mettre dans un coin, mais là, je peux pas.
Encore un artefact de la... truc de Revax ? Est-ce qu'il s'est bien transféré au moins ? Oui, il s'est bien transféré. Donc je vois pas pourquoi tu voudrais pas que... Mais tais-toi, putain ! Mais si on a des artefacts à mettre, hein ? Je pense pas qu'on en ait, mais bon. Mais tu te tais, oui. Si, on peut ajouter des trucs. Un relique, mot de passe du marché noir. Augmente le mécontentement de la faction, de la PDF. Augmente le prix de revente de toutes les ressources. Parfait. Je le pose. Des grimoires, faut que je les mette là-haut. Pas les mettre en expo. Hein. Ça fait quoi ça? Lorsqu'il se pose dans un reliquaire, augmente les dégâts infligés par les phares magiciens. Ah d'accord, phares magiciens, nécromanciens. Lorsqu'il est déposé, ouais. Ah, c'est bien ça. Vous pouvez déposer là-dedans. C'est bien. Ou les déposer là-haut. Sachant que j'ai... Ça fait quoi si je le donne... Non, mais ça, j'ai pas de... On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vas-y, faites-moi ça. Red terminé. Baril de bière. Larfinode. Bannière de Thorfinn délabré. Et il reste plus que lui. On va laisser un peu remonter les trucs, hein. Elfette et la poulette, ah, ça me plaît ça. Garde elf. Garde elf et troll. Et j'ai ce qu'il faut en plus. Ouais, il faut être 100%, parfait. Ouais, comme ça en plus ils ne mangeront plus mes sbires pour le moment, les trolls. Du coup, ils sont venus faire quoi eux? Ah, ils sont arrivés par là, donc vas-y, il va falloir que je fasse autrement. Non, on n'aura pas à temps. Tant pis. Descendre. Là, rentre. Ah, c'est quoi? C'est qui lui? Toi, t'es un humain. Parlez plus fort, j'ai eu un tympan crevé par une boule de feu en 64. D'accord. Pas ce que t'étais, mais voilà. Toi, t'es une humaine aussi. Allez. Toi, t'étais mon humain cultiste. D'accord, recrutement cultiste. Cultiste, voilà. Hop, parfait. C'est toi le patron. On peut sacrifier. Ça c'est un orc, on peut pas le, on peut que le tuer. Merde, il m'a tué un banquier. Et un sorcier aussi. Alors, un sorcier. Un Gilles Barbe Jaune, je le prends. Un banquier, VIP. Du coup, je mets une qui n'est pas tuable. Ah, d'accord, il y a ce gobelin aussi. Eh ben. Ils sont en train de descendre. Ah oui, il y a encore du monde. Vous voulez pas passer par les pièges, j'ai mal calculé mon truc. Hein. Ils sont compliqués à tuer. Niveau 9 pourtant, hein. Pas non plus super niveau. Hein. Des espions cultistes, ok.
Espions. 10. Mais j'en ai perdu des espions. 1, 2. Deux espions, deux sorciers. 3 cultistes. 1, 2, 3. Deux espions, deux sorciers, 3 cultistes, un nécro. Deux espions. 3 cultistes. Un nécro. Et ça, c'est des cultistes. Ils sont où les sorciers? Sorcier. Il m'en reste plus qu'un. Voilà. Je pense que tout à l'heure, j'ai repris des cultistes et pas des. Et pas des sorciers. Nécro, j'en ai 3. Je vais en prendre 2 de plus. Voilà. 5-5. Phare magicien. 2 de plus. Et on va prendre 2 bourreaux de plus. Hein. Ah, ils sont en train de tout bouffer. Hein. Ils sont compliqués. Ah, t'es un gobelin. Un gobelin, je peux rien y faire. C'est bon ? 27 spires morts. Oh, il... Par contre, j'ai plus le goldbarg. C'est bizarre. Alors. 1, 2, je peux avoir la cible pour peau verte, pour nain et pour barbare, ok. 2 sorciers à recruter. Voilà. C'est bon, on est bien à 5. Et voilà, problème réglé. L'abbé de Glargue nous consent un tarif préférentiel. Ah, c'est bien ça. Au moins, on a réussi ça. Et maintenant, tournée générale. Ouais, tournée générale. La bière pour le mess, c'est bon pour le moral de la troupe. Et torturer un moine était assez stimulant, en fait. Ouais, alors par contre, les gars, ça va pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Je crois que vous êtes arrivés par là. Déjà, une poule à l'arme ici. Une poule à l'arme là. Et si ça va pas, une poule à l'arme ici. Déjà, pour cet étage. Ensuite. Parce que c'est pas le tout, mais hein, il faut se protéger. Ici, on va en mettre une. On passe forcément par là. Là, j'ai 23K. Ouh, c'est riche, je suis riche. Riche. Voilà, tu protèges toi? Bah, tu protèges pas beaucoup. Là, c'est bon. S'ils passent ici, ils sont alertés. Bon, là, c'était alerté. Là, on peut la mettre là. À tous les étages. Une poule à l'arme. Et des escaliers. Voilà, moi donc ça. Ils sont descendus jusqu'au 0 hein, quand même. Hein. On verra ça au prochain épisode. Le Goldberg a l'air content. Ah oui, il est content. Mais sa patience baisse. Mon entre n'est pas à la hauteur, mais je comprends pas. C'est ça qui te va pas? Je te vire les fontaines si ça te va pas. Hein. J'aurais un truc si. J'ai mis toutes les décos spécifiques donc je vois pas ce qu'il aime pas. Tu veux enlever un deuxième? Enfin, mais un deuxième de cercle d'invocation. Même 3, tiens. Oh, hop là. Alors. Ils sont en prison. Allons en prison. C'est des humains. Torture. Tu tortures. Et vous me libérez pas, je m'en fous.
Si on les torture, ils vont plus vite à se reposer, les drôles. Hop, mais on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.